J'espère que vous allez bien, que vous portez bien. On se retrouve pour Boys Lockdown, c'est ça, l'épisode 3, et oui. Donc j'espère que franchement cette série vous plaît. N'hésitez pas à commenter, bien sûr, et me dire ce que vous en pensez. En tout cas, moi, je suis à fond dedans, et vraiment, c'est une belle découverte. Donc aujourd'hui, l'épisode 3, c'est parti, let's go. Avant, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, je compte sur toi, et d'aimer cette vidéo. Voilà, c'est parti, on y va. On va retrouver Kev. Normalement, Kev et Chenny doivent enfin se voir quand même parce que l'épisode 2, finalement, ils ne se sont pas vus. Donc, j'espère que là, oui. Et le gardien, moi, j'ai l'impression qu'il drague un petit peu Kev. Donc, on va voir tout ça. Voilà, c'est parti. On y va. Donc là, c'est Chenny qu'on retrouve en vélo. Avec son masque, avec des petites bibites, voilà. Et je crois qu'il attend, il est pas mal, hein. Oh, c'est qui, lui? On est d'accord, il est beau. Mais qui est-ce? Ah oui, on dit oui, hein. Et oui, il devait se voir, mais... alors, je préfère. C'est pas très gentil ce que je vais dire, mais bon, c'est pas grave, on le dit quand même. Je préfère avec le masque. C'est moi ou je crois qu'il est en train aussi de le draguer. Ouais, je crois qu'il est en train de le draguer. Et Chenny attend Kev pour qu'il lui donne les médicaments. Ouais, j'ai l'impression que quand même, celui qui a un t-shirt jaune est en train de draguer. Je pense. Manong, il s'appelle. Atin ko lang sa inyo, or tawag ko lang sa inyo pag nandyan na. Lo, ram na siya toa, uy. Ah, silintanod kasi dito, nag-CR lang, hindi na ako binalikan eh. No, okay lang po, Manong. Just waiting for a friend. Ano na ako tawag yung Manong? Ito naman. Ang tatay ko yung minamanong dito. Tapos magkasing itad nga lang tayo eh. Tsaka tagal dyan lang ako, Apple Orchard Lane. Uy, il est en train de le draguer ouvertement, on est d'accord, hein? Dicky na lang. Just Dicky. Oui, c'est de la drague. Moi, j'aime bien Alice. Donc ça, c'est Chenny. Ça, c'est la sœur ou la mère de Chenny. Je sais pas. On sait pas encore ça. J'aime beaucoup l'introduction, franchement j'aime bien. Je la laisse, bon au bout d'un moment je l'enlèverai je pense, je la mettrai plus, mais oh là là. Allez, on y va. Et je sais pas s'il va venir ou pas, parce que de 1, Kev n'avait pas d'autorisation. Ok, on fait un TikTok comme ça. Enfin, c'est pas un TikTok, c'est Optic. Also Facebook, man. I know, we are. I mean, Deki, you know Optic, yung app. Optic, ano ba yan? Moi, je connais pas Optic, hein. Download mo muna yung app. Tapos, gawa ka ng video. Tapos, share it. It's easy, I swear.
Kahit anong video, basta kasi itli nun yung ginagawa mo. Ah, oo. Oh, basta huwag yung nakakasakit or nakakabasa sa iba. Ah. Like, for example, ako, may liga ako mag-share ng videos ko kasama yung puppy namin minsan. Ouais, donc c'est bien sa sœur. Donc, oh, Jenny vit okay, avec sa sœur. Ok. Gusto mga, kung sumasayaw-sayaw, ganun. Pwede ba yun? Oo, oh, pwede yun. Oh. Practice tayo. So, anong gagawin natin? Ito. Ganyan. Papogi lang. Uy! Gawa pa naman yun? Ganyan. Ils apprennent une danse. Ganyan. Papogi lang. Oh, okay. Yan pa, isa pa. Oh, wow. Pogi, pogi. Hey. Oh! Hey, retiens bien, hein? C'est bien. Bien. Sturo. Sturo. Bien. Sympa cette petite danse, hein? Allez, on y va. On dit oui. Là, c'est en plus. Voilà. Niveau corps, il est pas mal, hein? Vraiment. Niveau corps, il est pas mal. Oui, ça en rend deux, là. Non, mais c'est une blague. Le gardien qui aime bien enlever ses habits, lui qui s'y met, il est magnifique le corps. On est d'accord, il est magnifique. Hein. Waouh. Waouh. Non, mais ils le font exprès, c'est obligé. Est-ce qu'il est obligé de rester torse nu? Je pense pas. No quarantine pass, no entry. Sino mo motor ako ganyan? Wala akong pakikong kaninong anak ka. Ba? Kala yata ng gunggum na yun, kaya niya si Dicky. No way, no? No way, Jose! Hindi siya nakapalag. Cool story, bro. Il est pas mal, hein? Il a un beau corps. Il est pas dedans, hein, Jenny. Il attend qu'une chose, c'est que Kev arrive. Mais est-ce qu'il va arriver? On sait pas. J'espère. Quand même. Remets ton t-shirt. Recently, I met someone whom I really want to get to know a lot better. She didn't show up. I waited for my crush for 2 hours and he didn't show up. Ah, il est dégoûté. Oh. Should I even post this or would this content be off-brand? What do you think, Dickie? Mask. Sorry. Mask. Sorry. Ano, mukhang no-show na talaga yung kaibigan mo, ah. Eh oui, parce qu'il a fait pas l'autorisation, Kev. Ano, mama sa main to, ah. Pero diba, makita mo nga, may girlfriend. Franchement, l'image de la vidéo, elle est juste magnifique. Je trouve, hein. C'est beau. Les couleurs sont belles. He didn't even message me. Sa sœur. Ce que je comprends pas, c'est que pourquoi Jenny, qui sait où il habite, n'est pas allé directement en fait. C'est bizarre. Je crois qu'elle va pas être très contente, la sœur, hein? Regardez. Parce qu'elle lui avait dit de pas sortir. Et lui, bien sûr, bah, il est sorti quand même. I'm sorry at the début. Go and wash your hands. Why did you just sneeze like that?
And you naman, you wouldn't let me go out kasi. Oh, so your solution was just to sneak off and not tell me. Since when do you do things like that, huh, Chen? How long were you gone for? An hour, maybe two. Wow. Ate, I was just by the subdivision gate. I had my business gone, I didn't touch anything, I maintained physical distancing. I wasn't the one running around breaking health guidelines. That's not the point, Chen. I asked you not to go outside and you did it anyway. Worse, you didn't tell me where you were going. You want me to treat you like a grown-up? Fucking act like it. I'm sorry, Ats. Après, je comprends pas pourquoi elle le dirige comme ça. Parce que même s'il a envie de sortir, il peut sortir quand même, voilà. Après, il fait attention. Je crois que dans cette série, le but, c'est d'être le plus torse nu possible. Voilà. Je pense, hein. Hi, salamat. Gumagana na rin. Ha? Sinusok ko kasi ng telepono ko eh. Paiba-ibang moods. Tignan mo, okay na ulit to? Parang na nangyari. Mana ba yung telepono mo sa... Et bien sûr, la caméra, voilà, on en parle. Obilis na, sige na. Message mo na yung... Future jowa mo. Pero kung ako sa'yo, huwag mo na kasi. Share ka ba kayo, Wills? Oo, ang bahala sa'yo. Sige ka, pag naligo ko na naman yung telepono mo, nasaan lahat ng pinaghihapan natin? Sige na nga. Donc c'est bizarre. Il le pousse quand même à aller voir Chenny. Mais il avait une pose qui était un peu bizarre quand même. Donc c'est bizarre. Donc au final, peut-être que le gardien ne draguait pas, mais qu'il est très extravagant et qu'il aime bien se mettre torse nu. Voilà, je pense que c'est ça. Chani, dinner time. Mais elle est vraiment sur son dos, hein, la sœur. Hein. Un peu trop même. Hein, can we please leave our phones while we eat? Oh non, il va arrêter. Et bien sûr, qui c'est qui va l'appeler? C'est Kev. Oh. Voilà. Eh oui. Franchement, leur maison, elle est vraiment juste waouh. Ils ont beaucoup d'argent, je pense. Hein. Bon, on dirait que entre eux, c'est un petit peu froid, hein. Le repas, il va être très joyeux. On se parle pas. Waouh. De un, la sœur, elle est trop dure. Et de deux, lui, peut-être que, bon, il aurait dû lui dire. Mais c'est pas une raison pour... Can you sort out the gas delivery like I asked you? Yes, that's... Je déteste les repas comme ça, où il n'y a rien qui se passe. On dit rien, on se parle pas. Je déteste. Attendez, B. I'm really sorry, I snuck out. What we did wasn't okay, Jenny. Wasn't cool. Non, mais genre, il est en prison. I know. I feel bad. Good. You should feel bad. Mais vous avez vu dans quel état elle se met quand même? Parce qu'il est sorti.
pandemic. This fucking lockdown. Alors là, je comprends pas du tout leur réaction. Pas du tout. I'm lucky. I still have work now. Parce qu'en plus, c'est pas comme si il est sorti avec le masque. Je comprends pas. Everything feels so uncertain. C'est un peu trop, hein. On est d'accord, hein. I'm supposed to be responsible for you. I'm supposed to take care of us. I'm supposed to keep it together. And sometimes it's just too much for me. Franchement, c'est bizarre. I'm asking for your help. Being more responsible now because I can't do it alone. I know I act like it a lot and I know you hate it. But I'm not your mom, Jen. Oui, mais dans ces cas-là, ce que je comprends, c'est que pourquoi se mettre dans des états comme ça? Elle peut juste dire, bah, écoute, j'ai besoin de ton aide ou je veux que tu aides. Donc ils n'ont plus leur mère. But that doesn't mean it doesn't get harder. Donc ils ont plus leur mère. Donc elle a pris la place de parent, on va dire, grande sœur parent. Mais même en ayant pris cette place, réagir comme ça, je trouve ça un peu exagéré. Parce que à la rigueur, elle peut dire à Chen, écoute Chen, tu dois un peu faire des tâches à la maison. Aider et tout, voilà. Sans forcément, je sais pas, hein. Après c'est moi, mais je trouve que c'est un peu exagéré quand même. Hein. Même lui, il pleure. Mon Dieu. Franchement, là, ce moment-là, c'est bizarre. Très bizarre, hein. C'est bien, non. Bon, on va continuer. Alors. La suite, elle est là. On y va. Franchement, j'ai pas trop aimé. Hein. Là, ce moment-là, c'était pas mon moment préféré. Hein. Du tout. Là, on retrouve Kev et le gardien. Pero may bagong update si ano, si CC Strong, yung isang account na pina-follow. Il s'intéresse beaucoup quand même, le gardien. Vous mettez des stickers sur vos ordinateurs. Moi, je mets pas, mais je trouve ça sympa quand même. I need your advice on something.
I recorded a vlog earlier and I wanted your take whether I should post it. La vidéo qui parle de Kev, je pense. Je pense que c'est ça. Allez. Je pense que c'est la vidéo qu'il a faite. It's true that I constantly record myself, post vids, and extra on social media, but in real life, I'm just really awkward. As in, recently, I met someone whom I really want to get to know a lot better. Oh. And I was hoping he feels the same way too. Franchement, c'est trop mignon. I might be getting ahead of myself here, but I thought there was a spark. Before we reconnected kasi, I met him a few months ago na. But I just couldn't bring myself to talk to him. C'est une déclaration, hein? Eh oui. Because he had a girlfriend. And like I said, I'm awkward off. So when I saw him again, I thought, now's my chance, I really need to get to know him now. Oh. And I wasn't sure pa nga if it was him at first, but when he told me his name, yup, I confirmed it. It was him, that guy from that Super Baduy garage sale I had c'est to bring bon. My Atelebi to a couple months ago. With some bizarre twist, we just happened to be at the same drugstore, at the same time, at the same place. And then he ended up with a bunch of my sister's pills. And then we're supposed to meet up today. I'm so excited, but I waited for him. Oh, but j'adore, c'est trop bien. He didn't show up. Et I oui, waited il est for pas the venu. Crush for 2 hours, and he didn't show up. Mais t'en fais pas, il y aura un autre moment, tu le verras. Seriously, so awesome. Oh. I can't believe you lead a more interesting life than me. How did that happen? it's like a manga. It's literally a freaking boys love manga. Why does everything like that happen to me? Why? What? Chill. Anyway, I wanted to ask Langsan if you think it's a good idea that I posted the vlog. I don't know, Chen. It's awfully personal. Ça, c'est vrai, c'est personnel. So, you think it's off-brand? What? No, that's not brand. Non. Brilliant. C'est pas de mauvais goût du tout. You upload it. You have, like, what, how many followers now? 15,000? C'est énorme, hein? 15,000? Moi, j'ai pas ça. J'ai pas autant d'abonnés, moi. Peut-être qu'un jour, à savoir. Mais là, non. It's not like I know any of them in real life. Okay. What if Key sees it? Eh oui. How do you know that? Just humor me. Nah, it's human. I mean, even if Key does see it, he doesn't know naman that I'm CC Strong. And besides, he hasn't seen me without a face mask on. So, how could he? So guess what? Key, kung mag-event ka naman ng frustration sa Dalgona Coffee, wala akong time, okay? May a-attend akong webinar na magsimula in 20 minutes. Le gardien derrière, franchement, c'est... Happen from one webinar to the other. C'est abusé. Kung makunan yung kulang ng coffee sa buhay ko. Uy, sakin mo ng konti. Pinis ba yan? Mon Dieu. Hat talaga ni Kuya? Ah! Kaya mo napansin lang si Kuya Benz, please. Mon Dieu, non, mais c'est abusé, on est d'accord, hein? Okay. Ano na ka, Lonzo? Balita. Walaan mo kasi yung na-meet ko sa drugstore ng isang araw. Ano ka, Toki? Hindi ko naman yung inaaraw daw yung choices. Kung random ng tanong, ha? Si CC Strong. Eh, hey, donc du coup, il sait très bien qui c'est. Okay, kept sa webinar. Kailangan ko marinig to. Seriously going to post this vlog? I mean, what's privacy nowadays? Did you just shush me? Whoa, wait lang at. It's Key. Eh oui. Key called. Eh oui.
Ah, il est content. C'est cool. Ah, c'est bien. Il déprimait un petit peu, le pop Chen. Oui. Ah. Les deux ensemble, là. Les deux, là. C'est des fous. Oui, c'est ça. Hello, Chen. Alors? Hi. Hi. Bago ang lahat, kailangan ko muna mag-sorry ha. Sorry, hindi ako nakapunta sa usapan kanina. Pero may reason naman kasi kung ba't di ako nakapunta. I know na medyo stupid yung reason, pero fine, sige, sasabihin ko na lang rin. Ano yun? Yung quarantine pass kasi sa dorm namin, communal. Eh, kinilangan ng isang residente. C'est bien qu'il appelle, moi je trouve ça bien. You don't have your own pass. Voilà, tapos sinabayan pa ako dito ng ano, mga technical problems. Okay, get it. Ah, c'est trop bien. Sana huwag mo namang isipin na pinabayaan ko lang yung usapan natin, ha? Ako? Oh, wala yun, never. C'est trop mignon, j'adore. May nalaman pala ako sa'yo, ha? Chen? Ano yun? Sikat ka pala, CC Strong. Nung kise-kise. Pinapahalo kita. Tapos nakita ko lang naman na suot-suot mo yung ano, yung trademark na face mask natin. Franchement, j'adore. Je trouve ça trop mignon. C'est trop adorable. Notre masque. Et là, il... Oh. So, alors, secret, moi, ha? CC Strong. Oh. On est d'accord, c'est adorable, hein? Oh, j'adore. Ah mince! Hello. Hello. Non! Oh, il voulait plus poster la vidéo! Hello. Mince! Hello. Voilà. Bon! Oula, le prochain épisode! Alors, on va voir comment va être perçue cette vidéo. Oui, oui. Et on va voir aussi si enfin ils vont se revoir quand même. Parce qu'ils ont failli se voir, mais ça ne s'est pas fait. Donc, on croise les doigts. Et franchement, mais c'est bien parti. Moi, je pense que c'est super bien parti. Donc, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'aimer cette vidéo. Et puis, nous, on se retrouve très, très, très vite. Ciao, ciao. Bisous. Ciao.